Bonjour, bienvenue dans l'univers du yoga. Je m'appelle Ludovic Tenez, je travaille dans STAPS à la Crotelle, à l'Université de Paris. Je vais vous présenter aujourd'hui une initiation Cobra. On l'appelle aussi avant-arrière, vous allez comprendre pourquoi. C'est bien sûr un exercice de mobilisation articulaire, de mobilisation de la colonne vertébrale, pour rester jeune. Le premier exercice le plus classique, on va se situer déjà dans une position de diamant. On va s'allonger au maximum. Les fesses vont se tirer vers l'arrière, les doigts vont tirer vers l'avant. Et donc là, ça c'est la position initiale qu'il faut toujours retrouver. Ensuite, on va essayer de raser le sol à l'aller. Tranquillement, je plie les bras, je rase le sol. Je viens ici en position du cobra sur l'inspiration et je repars sur l'expiration. Donc raser le sol avec le menton et avec la poitrine. Tranquillement, doucement, inspiration. Expiration. On va faire 3 au début, puis 6, puis 12 si on est capable, pas de problème, on progressera facilement, tranquillement, beaucoup plus facile que des pompes et même des pompes avec les genoux au sol. Le deuxième exercice, la variable, c'est de partir au contraire, de raser le sol au retour. Donc je pars les bras tendus. Je me projette vers l'avant sur l'inspiration. Je plie les bras et je reviens en rasant le sol. Il est un petit peu plus délicat, un peu plus difficile. Je me projette vers l'avant, inspiration. Donc, je vais vers le sol. Puis, bras pliés et je rase le sol pour revenir. C'est donc le deuxième exercice. Le troisième, c'est évidemment une combinaison des deux. On va essayer de raser le sol à l'aller et au retour. Donc ça donne cet exercice sur l'inspiration. Inspire. Je viens en position de cobra. Expire. Je remets au sol. Inspire. Bien sûr, ça sollicite la colonne vertébrale, mais aussi les poignets, les bras, les épaules. Donc c'est un exercice assez complet. Ensuite, je peux me mettre effectivement en position de cobra sans forcer, tenir une quinzaine de secondes, trentaine de secondes. Ça donne à peu près cet exercice-là au départ. Inspire. Et là, je reste et je vais essayer de respirer calmement, me détendre les jambes, détendre les jambes au maximum. J'essaye pas de me redresser beaucoup. Je peux le faire bras fléchis si je suis plus à l'aise. Pas de raison. On essaye d'être statique pendant 15 secondes au départ, puis 30, puis une minute un jour. Je reviens tranquillement et je vais profiter de la détente de cet exercice, me relâcher, trouver une position de relâchement. Donc c'est la plus classique, c'est celle-là ici. J'essaye de bien me relâcher, tenir au moins 30 secondes dans ce relâchement pour profiter des effets de la posture. Voilà, donc c'est une belle initiation au cobra, tranquillement, un bon réveil musculaire aussi. Je vous souhaite une bonne pratique un peu tous les jours et demain le soleil se lève.